Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de C'est John à l'appareil, juste aujourd'hui pour vous présenter assez brièvement, mais avec quelques jolies petites images là, un tuto, mission tutoriel qui va être disponible, si c'est pas déjà le cas, sur le site du DCS User File de Eagle Dynamics. C'est une mission tutorielle en français. Donc, c'est-à-dire que tout l'audio sera avec ma voix, que vous entendez actuellement. Les textes seront en français, explications en française, en français, pardon. Et donc, voilà, donc toutes les commandes, je vous donne les noms français, etc. C'est un petit peu scénarisé, on met un petit contexte, histoire d'être un petit peu plus raccord avec un contexte, on va dire, armée de l'air, entre guillemets. Voilà, rien de bien compliqué, on n'est pas non plus dans Bensky Image. Pour ceux qui ont la ref, toujours est-il que dans ce tutoriel, il y a quelques petites séquences où, niveau audio, je vous demande d'effectuer des actions. Toutefois, dans les textes, il y a des compléments d'information qu'il faut bien lire, hein, parce que parfois, par exemple, pour fermer la verrière, je dis pas qu'il faut repousser la manette vers l'avant, mais ça va de soi. En fait, il faut faire un... Donc, à chaque fois, c'est clic droit, et après, il faut faire clic gauche pour basculer la manette vers l'avant. Voilà, je dis ça parce qu'en fait cette mission tutorielle, elle s'adresse avant toute chose, et ça c'était mon vœu le plus cher, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, elle s'adresse avant toute chose à ceux qui débutent le Mirage 2000 et DCS, hein, parce que je pense que si vous débutez DCS World, peut-être avez déjà vous fait le SU-25, le TF-51, voilà. Mais vous vous êtes peut-être dit, tiens, je veux acheter le Mirage 2000, notre petit chasseur français, pour voir ce qu'il vaut. Et puis vous voulez apprendre à le démarrer, et peut-être que le tutoriel de base qui est fourni avec le jeu ne vous suffit pas, ou vous avez du mal à comprendre l'anglais. Donc ben voilà, celui-là il est là pour ça, pour vous aider. Qui plus est, attention, c'est une mise en route simplifiée. Le tutoriel il doit durer entre 10 et 15 minutes, pas plus, hein. C'est juste pour vous montrer vite fait comment on le met en route, sans non plus aller faire de la science compliquée, à vous expliquer chaque instrument, à quoi il sert et comment il fonctionne, quoi. C'est pas le but de cette mission tuto. Donc voilà, je vous la mets à disposition. Le lien sera en description de la vidéo, vers le user file, et sinon il sera disponible pour ceux qui connaissent le user file de DCS, voilà, sur le site d'Eagle Dynamics, hein. Dans tous les cas, il y aura les liens en dessous de cette vidéo. Donc il y a d'autres tutoriels que j'ai en tête, que j'ai pas encore commencé à fabriquer, mais bon, ça ne saurait tarder. Je pense qu'on va enchaîner plus tard avec le Mirage F1. Il y aura une autre petite vidéo concernant ce tuto Mirage F1 pour sa mise en route. Donc si ça vous dit, hein, comme d'hab, on met un pouce, on s'abonne, etc. si ça vous plaît. Surtout les débutants. Et puis, le rythme va un petit peu encore diminuer suite à différents problèmes techniques que je vais pas pouvoir upload autant de vidéos que je voudrais ou fabriquer autant de tutos que je voudrais. Pour des raisons internetesques, voilà. Et puis on fera ce qu'on peut, quoi. Mais donc restez bien connectés à la chaîne, ça sortira, ça sera un petit peu plus espacé, mais quand ça sortira au moins vous aurez les notifs, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. Sur ce, moi je vous laisse contempler un petit peu comment fonctionne ce tuto, mais comme des autres tutos d'avant, hein, BVR et tout, que j'ai déjà fait, hein, qui sont déjà dispo et sur la chaîne et sur Eagle Dynamics. Je vous laisse checker tout ça. Eh bien, amusez-vous bien. J'espère que ça vous servira beaucoup, surtout à vous les nouveaux. N'hésitez pas à effectuer ces missions. Vous allez apprendre pas mal de trucs. Allez, enjoy. Bise. Un calculateur décorrélé des calculateurs commandes de vol. C'est pour cela qu'il y a un test à part. Sachez en outre que sur DCS, il n'est pas indispensable. Mais dans la vraie vie, oui.